Salut à tous les fans de miniatures, bienvenue sur la chaîne Auto Passion Miniature, une chaîne dédiée aux miniatures automobiles. Et les amis, on continue toujours chez Top Speed avec un de mes gros coup de cœur, Aston Vantage Lime Edition, c'est la couleur. Moteur Mercedes V12, une pépite. Déjà qu'Aston a rentré ses V12 dans ses Vantage. Donc là, niveau fiabilité et mécanique, sont passés chez Mercedes, toujours avec un V12 et toujours dans la petite. Ça, j'adore effectivement mettre un énorme V12 dans une voiture compacte. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Voiture magnifique, sonorité. Qui a un petit peu changé, hein. Le fait d'être passé chez Mercedes a un petit peu fait changer la sonorité, mais c'est toujours un travail fabuleux, c'est toujours une pièce d'orfèvrerie, elle a vraiment évolué en look, même si l'ancienne était vraiment superbe. Je dirais que même à posséder, je préférerais peut-être même encore posséder l'ancienne avec le moteur Aston, mais gros coup de crayon, très sympa, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si pour vous c'est une réussite ou si vraiment préférer l'ancienne. En tout cas, je la trouve tout de même fabuleuse, très futuriste en tout cas dans le design, dans le dessin, mais chapeau, joli coup de crayon, très belle voiture, j'adore cette voiture, surtout dans cette couleur. Elle existe aussi dans un gris nardo profond avec les détails jaunes, c'est une perle également, mais cette couleur me rappelle mon Abarth en Lime Edition, c'était ce qui m'avait fait l'acheter. J'ai trouvé que c'était déjà une pépite en soi en termes de coloris et en termes de moteur de châssis. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette Aston Martin Lime édition de chez Top Speed. Et nous continuons donc la présentation des 1/18e nouvelles arrivées de la collection, avec donc une Bentley convertible GT V12, un petit bijou, un bijou de cruising anglais, blanc, jante noire, c'est le pack piano black, intérieur rouge. Je la trouve vraiment superbe, j'adore, avec ses feux sur fond noir, ses vitriers rouges qui rappelle tout de même une petite touche de sportivité avec cet intérieur rouge bordeaux en cuir intégral. Voiture superbe et magnifique. J'adore cette voiture. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une Top Speed en finition blanc nacré. Même si je pense que ça ne ressort pas tant que ça sur la vidéo. On continue avec cette pépite. Une Audi R8 convertible, la version Decennium, avec cette couleur vraiment très particulière. C'est un gris bleu nardo magnifique, en couleur mate, vraiment superbe avec ses jantes de l'édition Decennium. Elle est vraiment sublime avec cet intérieur camel qui donne une petite touche de luxe dans ce sport. À l'extrême, elle est vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une GT Spirit. Donc toujours aussi fabuleux le travail de GT Spirit. Grosse pépite. Grosse série de convertibles, hein. Bien sûr, là, vous allez voir, il y en a quelques-unes. Je n'en avais aucune. Et j'ai décidé donc d'en posséder quelques-unes. Et bien sûr, que des pépites. Salut à tous les amis, comme promis je vous avais dit que plein de 1/18e allaient arriver dans la collection. Et donc on commence avec ce RSQ8R ABT vert pomme métallisé avec ses énormes jantes qui est passé donc par les mains de ABT. Les disques sont sublimes. GT Spirit vraiment en termes de prix finition. Elles sont sublimes, c'est vraiment une réussite. Jamais je franchirai le pas pour cette voiture, je préfère le Porsche. Au vu du prix, il y a un grand écart tout de même, mais je la trouve sublime. Voiture vraiment qui fait tourner la tête quand on la croise, voiture superbe. Et dans cette version ABT avec tous ces petits détails aéro, vraiment
magnifique. Coup de cœur, vraiment coup de cœur GT Spirit. Elle est extrêmement bien réussie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un énorme pouce bleu pour cette voiture et pour GT Spirit. Et vous me direz par la suite, je vous montre vraiment toutes les nouvelles arrivées. J'ai hâte de découvrir laquelle vous a le plus plu. Là, j'ai commandé des pépites, donc j'ai hâte de voir en commentaire si votre coup de cœur sera le mien. Allez, on passe à la suite. Et pour finir, comme je vous l'avais dit, de rester jusqu'à la fin, une pépite. Un Mercedes Brabus Biturbo 800G Grey Mat, édition Qatar spéciale. C'est une pièce unique. Donc celle-ci est numérotée en 200 exemplaires. Elle est tout simplement sublime, intérieur baby blue. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une œuvre d'art, une pièce d'orfèvrerie. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Elle est tellement lourde que le plateau n'arrive quasiment pas à la faire tourner. C'est vraiment une pièce unique et magnifique. Je l'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je la trouve vraiment sublime. C'est une pépite. Dites-moi celle que vous avez préférée de toutes ces petites nouveautés. Un 18e qui rentre dans la collection d'aujourd'hui. À bientôt. On termine par une 1/24e. Je l'ai trouvée très réussie chez Burago. Cette 488 Pista. Voiture très très sympa. Je l'ai trouvée réussie, elle est toujours dans ma collection, elle ne rentre dans aucune case, ni un 43, ni un 18, ni un 64, mais elle est toujours présente, voiture effectivement que j'aime beaucoup